Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gameuses, et bienvenue à tous dans le premier épisode de Mystery Case Phil, Dear Groove, forêt sacrée. Alors je suis vraiment désolé, j'avais commencé un playthrough qui était déjà bien avancé, 3 épisodes exactement, et du jour au lendemain, et ben quand j'ai voulu faire mon montage, et ben mon ordinateur il m'a fait « Non, j'ai pas envie ». Non, je suis en grève salariale. Je veux une pleine puissance. Non, augmente ma puissance. Et donc, du coup, je suis obligé de recommencer. Il est méchant. Allez, on tire un coup de feu. Ah, je tire en l'air. Et voilà. Bref, du coup, on est reparti pour un nouvel épisode. Enfin, en tout cas, une nouvelle série. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, on va faire le jeu en mode guide de métier, comme j'avais fait au début. Si vous voulez que je fasse la version timing, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires et de pouces verts, et je verrai selon votre bon vouloir si je peux le faire. Je vous laisse la cinématique. Ma dernière visite à Deer Grove remonte à si longtemps. Je n'arrive pas à me débarrasser d'un sentiment d'inachevé. J'ai quelque chose d'autre à faire ici. Bonjour, monsieur. Maître détective, je vous en supplie. Une malédiction menace Deer Grove. Nous avons besoin de votre aide. Il serait peut-être temps que je change de voiture, hein. Parce que les voitures années 60s, ça ne fonctionne plus. Arrivé à Deer Grove, rencontrer les habitants. Alors, les 3 premiers épisodes risquent d'être assez rapides, en termes de vraiment contenu, et vous allez voir que j'aurai aucun mal à faire ce que j'ai à faire, tout simplement parce que, du coup, j'avais commencé le jeu, et le début, voilà, je le sais parfaitement. Alors, nous avons un système de puzzles, des puzzles que nous allons pouvoir faire un petit peu plus tard, tout simplement parce qu'on n'a pas tous les morceaux, et ils sont répartis un peu partout dans le jeu, et chaque puzzle réussi nous donnera accès à de nouveaux bonus. On va récupérer la pile qui se trouve ici, et là comme vous pouvez le voir, il manque une partie. On va pas pouvoir le faire tout de suite. Hop! Ce panneau de bienvenue est dans un mauvais état. On va avancer. Ah ! Un loup. Les bois autour de Deer Grove sont toujours pleins d'animaux sauvages. Yeah ! Alors attendez, j'ai quoi ? J'ai un bâton de bois et une pile. Mode MacGyver, yeah ! Voici notre chasseur à la gâchette facile. Je dois m'entretenir avec lui. Jingo Birds. Wouah ! Ah oui. on a failli se faire trancher le pied directement comme ça. C'est un peu une sorte d'avertissement, c'est un mode... Non. Non, tu ne passeras pas facilement. Alors là, on a un tas de neige, mais on pourra pas l'enlever tout de suite. Avis aux visiteurs, la saison touristique à Deer Grove a été officiellement fermée. À cause des conditions climatiques extrêmes, les autorités ont déclaré Deer Grove zone de désastre naturel et l'ont évacué. La fréquentation de la zone est déconseillée. Un deuxième morceau de puzzle. Très bien. Eh ben écoutez, j'ai rien d'autre à faire ici. On va avancer. Ce chemin devrait m'emmener au cœur de Deer Grove. Il semble que le chasseur attende quelqu'un. Comment puis-je être sûr que vous êtes le détective? Montrez-moi votre badge. Ah! Mon badge! Mince, il est où? Ah oui, j'ai oublié de... Mince. Alors attendez 2 petites secondes. On va juste explorer ça. On va enlever la neige. On va pas pouvoir faire grand-chose de plus ici, en tout cas pour l'instant. Nous avons des objets interactifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un plus en dessous, il y a moyen d'interagir avec lui. Donc là, par exemple, 3, 7, 5 et 2, 8.
La valise Mystery Case File. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Tac. Loop. Attendez. Hop. Ninja. 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 Hop. Ah oui, le couteau. Ya yeah. On a récupéré un couteau. Alors, ensuite. Une photo et... Pour ceux qui auraient pu jouer à Mystery Case File, Dear Groove, cela vous dira quelque chose. Hop, tac, tac. Alors ensuite une loupe. Encore une fois, me voilà à Dear Groove. Je demande ce qui m'attend ce coup-ci. Et je tiens à souligner quand même que, pour une fois, il ne bug pas. Ce qui pourrait vous surprendre, mais quand j'ai commencé le jeu, je me suis retrouvé tout d'un coup bloqué parce qu'il ne voulait plus activer les objets. Hop, très bien. Carnet. Et médicaments. Bingo! Et on a récupéré... Notre badge. Ah, voici mon badge de détective. Yeah, bidou bidou bidou. Hop, on va lui donner. Tenez, monsieur. Vous pouvez passer. Allez sur la place où les chasseurs sont réunis. Nous avons capturé un des druides, un embrumeur. Et il devra répondre de ses crimes très bientôt. Je dois le suivre tout en étant prudente. Ouais, d'abord on va explorer quelques petits trucs. Alors là, on va récupérer une amulette de druide qui va pas nous servir beaucoup pour l'instant, mais vous allez voir, dans le futur, ça va être très utile. Alors là, on a une hache. Là, on a récupéré un autre morceau de puzzle. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Allons-y, avançons. Je demande s'il reste une personne à l'hôtel, mais je devrais d'abord suivre ce chasseur. Hé, hey, coucou! Je m'en vais. On joue à cache-cache. 1, 2, 3, je compte. J'espère que ce chasseur sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Mon dieu, il y a des loups, donc ça veut dire qu'on peut pas aller par là. De toute façon, c'est vachement guidé au début. Attendez, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Yeah! Yeah! Bidou bidou bidou! On a déjà deux morceaux de puzzle. On va les continuer au fur et à mesure de l'aventure, mais pour l'instant, on va continuer comme ceci. Les attaques d'animaux sauvages se multiplient. Prenez toutes vos précautions en vous aventurant dehors. Ok, alors on va avancer. Que font tous ces chasseurs ici? Je devrais m'entretenir avec leur chef. Détective, j'aurais souhaité que vous nous rendiez visite dans d'autres circonstances. Car notre ville a beaucoup de charme. C'est toi qui dis ça, hein. Je te rappelle quand même que vous avez eu pareil une tempête de neige dans le dernier épisode et que il y avait des étudiants à moitié possédés par une sorte de démon démoniaque. Va chercher la logique. Oui, notre ville est très belle touristiquement, hein. On a des fantômes, des zombies, des vampires, et plein de sang partout. Logique. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Excuse me, but who are you? Je m'appelle Samuel Crawford, et je suis le chef des chasseurs. Qui est cet homme attaché à l'arbre? C'est notre manger pour ce soir. Vous voulez goûter de la cervelle humaine? Why is this man tied to a tree? Who is he? Nous soupçonnons les druides d'être derrière tout cela. Ce sont les embrumeurs, et ils vivent au fin fond de la forêt. C'est l'un des leurs. J'ai vu des loups rôder autour de Dear Groove.
Est-ce que ce sont des animaux sauvages ou c'est juste une attraction touristique? Dirk Groove est en proie à un froid redoutable, et des bêtes venant de la forêt nous attaquent. Tenez, prenez mon fusil. C'est dangereux ici, et vous en aurez besoin. Si vous ne souhaitez pas tirer sur des animaux, vous pouvez juste tirer en l'air pour les effrayer. Nous avons dû emmener nos familles dans une ville voisine. Nous avons besoin de votre aide pour découvrir la vérité. Que s'est-il passé à Dirk Groove? Trouvez des indices sur les événements. Alors, nous allons donc j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi mes chers amis. Nous allons devoir chercher des objets qui sont éparpillés un peu partout et qui sont des indices nous permettant de découvrir ce qui s'est un petit peu passé à Dirk Groove. Alors, là nous avons un embrumeur mais on va pas pouvoir faire grand chose avec lui, étant donné qu'il est complètement évanoui. What? Ah oui! Les chasseurs ne se sont pas rendus compte que nous étions suivis. En effet, et c'est ce qui va leur valoir de belles frayeurs. La voiture me bloque le passage. Ta bouche, toi. Et maintenant, petit panda dans la forêt noire. Cette histoire vous est contée par Pichou, le magazine des 3-6 ans. Journal de Samuel. J'avais deux fils, Derek et Peter, et je les aimais tous les deux. Clic. C'est magique. Un jour, le malheur a frappé à notre porte. Derek s'est perdu dans la forêt, et quand nous l'avons retrouvé, son état était critique. Les docteurs ne pouvaient rien faire pour le soigner, et nous avons prié pour un miracle. Je me demande si cette rancœur de Samuel envers les embrumeurs n'en cache pas davantage. Oh, petit écureuil! Non, pourquoi tu pars? What? Il est parti l'écureuil, le fait. Non, je partage pas mes glands! Hop! Alors, jardinier, veuillez réparer l'éclair de la statue de Banshee avant qu'il ne soit couvert de laine. De neige, de laine. Oh, génial! Un manche est toujours nécessaire. En effet. Ah, une pièce de perceuse. Et le panneau de contrôle est le seul moyen d'ouvrir, donc ça va être mort. On va pas pouvoir faire ça pour l'instant. Il y a un générateur derrière l'hôtel, il ne semble pas avoir été utilisé. Alors ce sont des endroits que vous allez sûrement reconnaître, parce qu'on les a déjà fait. Dans un très vieil épisode. Hop. Alors, attendez. Très bien! Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Et on aura fait notre puzzle en entier. En tout cas pour le premier. L'écureuil semble avoir d'autres noisettes à casser. Mais je voulais des noix! Alors, attendez, on va placer ça ici. On va ouvrir, hop! Tiens. Un indice. Quel est-il? Vous le saurez dans les prochaines... Non, je déconne. Ça fait même pas 14 minutes. Je note tout ce qui se passe ici pour avoir des preuves de ces événements paranormaux. Dirk Groove a déjà subi des conditions météorologiques difficiles par le passé. Et tout le monde essaye de survivre. Cela serait supportable s'il ne s'agissait que du froid, mais des bêtes sauvages venues de nulle part nous attaquent sans raison. C'est comme si la nature s'en prenait à nous. L'autre jour, j'ai vu quelque chose d'étrange. Un ours est sorti de la forêt, et j'ai cru voir un homme recouvert d'une peau d'animal le diriger. Je n'en peux plus de cette prison de glace, mais j'ai peur de quitter ma maison. Quelqu'un se cache donc derrière les attaques. Intéressant. Un banshee? Une sorte de protecteur des animaux? Un truc dans le genre?
Alors, attendez. S'il a dit qu'il fallait tirer en l'air pour leur faire peur, ça veut dire qu'on va devoir tirer en l'air pour leur faire peur. Hop! Hé, les loups! Génial! Ils ont pris leurs jambes à leur cou. On va récupérer ce qu'il y a là. Très bien, une lampe de poche. Un nouveau... on va éviter de trop toucher ici. À part si on veut que la bouteille soit détruite. Attendez... Cet endroit ne me rappelle des bons souvenirs, mais il n'y a personne. En effet. Alors, ici nous avons... une énigme, mais vous allez voir... On va pas pouvoir le faire tout de suite, étant donné qu'il nous manque quelques pièces. Je pense qu'on le commencera dans l'épisode 2. Alors là, il y a une pile. On la récupère. Très bien. Waouh, ce sont des températures sans précédent. J'avoue. Alors, attendez. On va prendre la lampe de poche. Dioup. Et on va remplacer déjà par les deux premières piles qu'on a. L'hôtel était une institution pour la communauté. C'est triste de le voir dans cet état. La boîte aux lettres est fermée et cassée en plus de ça. Oh là là. Mais va-t'en, le loup. Je veux pas te parler. Alors, attendez, on va reculer. On va reculer et on va aller par là. Alors oui, il y a un système de cartes où on peut aller d'un endroit à un autre. Mais moi, ça me gâche tout le plaisir vraiment du jeu. Parce que genre, on se téléporte d'un endroit à l'autre. C'est pas hyper logique, dans un sens. On va essayer de faire ça correctement, déjà que j'avance vite. Je peux bien me permettre de changer à chaque fois le décor. Bien, on a récupéré une pelle. On a une lampe de poche cassée, une perceuse cassée. Donc on va mettre tout de suite la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, j'aurai la manivelle. Et moi pendant ce temps-là. On va reculer. Et on va utiliser la pelle ici. Il y a une double serrure. On va retourner par là. Et on va pouvoir ouvrir la bouteille pour récupérer au moins un nouvel élément. On va placer immédiatement parce que ça m'embêterait de le perdre. Tac, on va par là. Les habitants de Deergrove ont vraiment peur de quelque chose. Ils ont bloqué le pont. Hop, et voilà. Tiens, cet oiseau est joli, mais c'est aussi un prédateur. Ouais, et il a peut-être faim, vu comment il fait froid. Alors, attendez. Ouh, génial. On récupère des choses. Beaucoup de choses. Waouh. Ces loups ne semblent pas réels, mais leurs crocs le sont. Hé, il y a un homme dans la neige. Je dois l'aider. Ouais. Alors, on va pas pouvoir l'aider tout de suite exactement. Puisqu'il nous manque deux, trois choses à faire. Alors, attendez. Oh. Non, il est où? Attendez. Bingo. On a récupéré une maison. Alors, je vous explique le principe. On va récupérer des monuments de Deergrove. À la fin, du coup, on aura la maquette complète de la ville. Mais ça, je pense pas qu'on l'aura tout de suite. On va aller dans le menu. Je vous explique pourquoi. Parce que, tout simplement, je ne sais pas comment je dois aller pour faire les petits puzzles. Les petits puzzles. Alors, attendez. Puzzle. Affiché. Ninja. Alors, on a plusieurs morceaux qu'on va replacer directement. Comme ceci. Oh, génial. Et on va s'arrêter là, en tout cas, pour cette fin d'épisode. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis. Et je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure. En attendant, je vous fais des gros bisous. Soignez-vous bien. Mettez des vêtements parce qu'il fait froid. Il fait très froid.
Et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.